Ouh, c'est parti, on part à la guerre. On est à genre 50 mètres de la maison et on s'est arrêté pour acheter à boire, retirer et gonfler les pneus. Je suis d'une grande aide. On est des gens responsables. Tu as filmé tout au long ? Oui. Il va arriver un truc, c'est sûr. J'ai vraiment la dégaine de la meuf qui va faire de la rando. Hein. C'est bon ? Ouais, il donne envie de promis quoi. Il faut accélérer là ! Il va aller là-bas. Ah oui. Il est stressé lui. Mais je crois que c'est nous juste, on s'en rend pas compte. Genre. On n'aime pas la bourre. Il est là du coup. Il est à 18h. Et il est 13h30. On a 2h30 de 2h ou 2h30 ? 2h de route. On a 2h de route, 2h de marche. Et il faut qu'on soit là-bas avant 18h. Ouais. Bah ouais. Donc il faudrait. Et on part avec deux handicapés quand même. Je te dis. Mais j'ai pas dit qui sont les handicapés par contre. Wouh, c'est parti, on va faire de la rando. Oh, on est twins. On est pink. Regarde. Pierre, il a une tête, il comprend rien. Bon, là, on vient d'arriver sur le parking et on a vraiment un temps de qualité, oui, mais voilà. Vraiment, on voit rien. Alex, t'as pris ton poncho. C'est la merde, Alex. Il a une tronche. Alex. Alex, il est. Elle est priceless, hein, vraiment. Elle est priceless. Inestimable. Ouh, arrive à bon port. C'est un peu frais. Déjà plein les couilles. On va rigoler, je crois on va rigoler. C'est chaud. Nous on va là. On est où ? On est là. Ouais. On va là. Et demain, on va aller à Marla et on refera ça. Tout le monde prend en photo le plan. Regardez. On est là. Ok ? Ouais. Là on va arriver au col là-bas là. Ouais. Okay. Est-ce qu'on est des troupes motivées ? En fait, tu te rends compte tous les villages qu'il y a. C'est bon. Et c'est parti, top départ. Il y a encore un chien, Lucas. Ça fait genre 10 minutes qu'on est parti. Ça commence très bien. Je suis trempée. On n'a pas de kawé. On voit rien. On voit rien. Et belle la vue. Et regardez la vue, comment c'est beau. Oh, putain. Putain. Voilà, on n'a pas de kawé, je suis trempée, genre trempée. C'est vraiment que du bonheur. Hein. On voit les gens, ils arrivent dans l'autre sens, ils sont trempés jusqu'à l'os. Putain. Ça, c'est rassurant, ça. Moment bâton. Avant la guerre. Putain, rien. Tu mets pas entre les mains, quoi.
Eh, les touristes à Mafate, chapitre 1. Ils sont où, merde. Oh, les oreilles. C'est beau, on voit rien, mais le peu qu'on voit, c'est beau quand même. Hein. Abrité sous un palmier, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pas un palmier. Ah merde. C'est quoi? Ça ressemble plus à des grosses fougères. Je sais pas le nom de l'arbre. Mais... Je sais pas. Voilà. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. A few moments later. Là, on fait quoi? Mais non, c'est une vache. C'est une vache. C'est une vache? C'est quoi? C'est une vache? Ça va pas te charger, ça? Je sais pas ce qu'elles font là, les vaches. C'est des petites vachettes. Des petits veaux. Vous voyez, mais en fait on voit pas grand chose. Là on va marcher dans la nuit. J'ai pas trop envie de marcher dans la nuit. J'ai un peu peur ici. Oh, cricket. Il fait de plus en plus nuit ici. Hein. On arrive les amis. Ça y est, on est arrivé. Alex, il a pris ses cahiers pour réviser, mais tu vas pas réviser là. Putain, mais on est arrivé. Putain, c'est incroyable. Derrière, avec le lavabo de la roche Mafate. Incroyable. Le toilette indépendant. Oh, ça c'est super ça. Ouais. Quand on a des dortoirs comme ça, un peu luxueux avec 4 personnes, c'est bien d'avoir un toilette à l'extérieur. Ah ouais. Chérie, je vous laisse foncer à la douche. C'est incroyable. Oh, stylé de ouf. Douche et tout, ouais, c'est mieux que dans les hôtels. Elle est où la lumière? Putain, on voit rien. Elle est là. Wesh. Ah ouais. Stylé de ouf. Carré. Ouais, moi aussi, putain, j'ai peur. On est installé, ça y est, on va manger. On est vivants. On a faim. J'ai les lèvres, elles sont violettes tellement j'ai froid. On est arrivé un petit peu en retard et le monsieur nous a dit que ce soir il y avait une soirée. Donc on attend la soirée. Soirée avec les locaux. Bah, il y aura certainement de monde, ça. Merci. Et surtout, first, apéro. Apéro! Pour ceux qui ont la ref. Ce soir, on a un chouchou d'entrée. Espèce de sauvage, va. J'ai des bronches. Santé, les gars. On commence avec un gratin de chouchou. Et au repas, gros gars saucisse. Gros gars chouchou. Je veux que tu le goûtes, c'est toi que tu le goûtes. Bon, ma foi. Et les amis, on a même le droit à un petit shooter. Le shooter des familles. Le shooter des familles. J'ai cru que t'allais le boire, espèce de sauvage. Hein. C'est à quoi? C'est quoi? Ça sent bon. Là, on a le droit à des pommes rôties, jus de mangue. Ah ouais, c'est bon. Ça te plaît? On va goûter. C'est bon. Sucré. Et c'est chaud en plus. Ouais. Bon. Il adore son taureau. Il est comme un torero, regarde-le.
Ah. Olé. 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 Mourir, c'est dans les veines, quoi. C'est la meilleure. A few moments later. Moi, la vendue, les jeans, c'est plus chaud. Ah, ta mère. Qu'est-ce qu'il Oh putain. Oh, oh là, il fait meilleur quand même. Sinon, on nous a dit île de la Réunion et tout. Ah ouais, ouais, non mais oh. Océan Indien. Oh putain, ils sont mouillés. Oh non, il a la moitié. Il a pris ses coups pour réaliser. Oh non. Ça va, c'est juste, mais j'ai perdu un peu là au début. Ah ouais, putain. Il était plein d'ambition, il voulait réaliser, putain. Oh non. Oh, petit déjeuner, les amis. On est vraiment à l'heure. Ça, c'est de la confiture de tomate. Ah ouais? Ouais. Allez, on est reparti. On n'a pas un bateau, mais trois. Allez. On va aller acheter à manger, peut-être. Alex, il a tout d'emberger. Peut-être que j'ai pas retenu, mais ils vont marcher comme ça. Et... c'est beau. Hein. Ça, c'est le gîte. Bistrot des songes. Oh là là, ça c'est les habitations. Putain. C'est beau. Ah ouais, c'est quelque chose. Purée, c'est de toute beauté. Là, on va à l'épicerie du village. Le village où on a dormi. Nous, on va grimper là. Je comprends pourquoi tu voulais pas faire ça. C'est au bout de sa vie. Là, on se croit presque dans les Alpilles. Là, on dirait presque les Alpilles. Il y a des gens, c'est des malades. 12 seconds later. On est essoufflé. Mais où? Cette vue. L'hélico. Pause repas. Pause déj. Ah yeah. Wouh. We did it. Là, il y a une voiture avec une fenêtre ouverte, on passe à la nôtre. J'espère pas, parce que ce qu'il a plus. Celle à côté? C'est les deux mêmes? Non, mais c'est celle là-bas, la troisième là-bas. On va faire biffer.
Ou alors c'est la... ça m'étonnerait que ce soit celle-là, hein. On connaît ça. Hein. Mais parce... ah. Ah non, c'est hein? Celle. Ouf, sauvé. Parce qu'avec la pluie d'hier, putain. A few minutes later. Hours later. Oh. À peine rentré, on se met à l'apéro, il faut rester cartouche, hydraté. Cartouche, hydraté, on a dit. On rentre de la rando. Les gars, il est rouge. Plus cher. Coucou Camille. C'est propre, quoi. Propre, pas propre. Pas propre. Oh. Le soleil là, je peux plus. Ah, je peux plus, hein. Tu danses pas? Offenbach. T'aimes bien Offenbach? Génial. La musique qui écoute Tonton. Ah, ça c'est bien, on aime bien Purple Disco Machine. C'est vraiment une tarlouse ton cousin. Putain, j'y sens le shaker et tout. Je te disais vraiment en plus que tu le faisais bien et tout, c'est pour ça que j'ai filmé. C'est juste qu'au moment fatidique, il y a un peu, voilà quoi, mais c'est bon. Elle est bonne? Non, ouais, grave. Bah, elle va te plaît cette pina colada. Elle est bonne. C'est bon, elle est validée. Camille, tu goûtes cette pina colada. Elle est bonne. A few inches later. Oups, le casino de Saint-Gilles. Ça a donné quoi le casino? Pas ouf. Ça a donné quoi le casino? Ils ont tout perdu. Non, il a juste gagné 10 euros. Lui, il a tout perdu. Il a perdu même plus. Ah ouais. Ah ouais.